راديو دي سناب الصوفنت المرغوبة كان ثجوة راسم في كاسق شامي ماس قند عبد العزيز باش اسميني ذاك نيث نوز انتربريز ايفولي دان ان انفيرونمون كونكيرونسيال c'est un environnement libéralisé, donc forcément, ils ont besoin de plus de compétitivité pour qu'elles trouvent leur place et pour qu'elles soient plus performantes. Justement, pour ça, il y a un fonds de promotion, il me semble qu'il y a un fonds de promotion de la compétitivité industrielle. Si vous voulez nous en parler un petit peu, M. Gint. Merci pour l'invitation. Alors, la compétitivité industrielle, enfin, la compétitivité d'une entreprise, je crois que quand même c'est quelque chose de vital pour cette entreprise, c'est dans la culture de l'entreprise. Il faut que c'est une chose qui doit être régulièrement entretenue par l'entreprise. Donc l'entretien de cette compétitivité dépend de plusieurs facteurs, en effet. Donc je vais vous en passer un peu, du moment qu'on a un économiste avec nous, je lui laisserai le soin d'en parler. Mais je dirais que dans un environnement qui est le même et à chance égale, ce qui distinguerait peut-être une entreprise, c'est son pouvoir d'être innovante. Donc c'est l'innovation qui fait que une entreprise soit la plus compétitive et de manière régulière. Nous, au ministère de l'Industrie, on a donc pour revenir aussi et rester dans la compétitivité d'entreprise, il y a effectivement des facteurs qui dépendent d'elle, de l'entreprise, et il y a son environnement. Nous, au ministère de l'Industrie, on est interpellé sur le deuxième volet, justement, c'est l'environnement de l'entreprise. On doit faire que cet environnement soit le plus favorable possible, le plus qui permet aux entreprises, à toutes les entreprises, d'être compétitives, chacune dans son activité. Pour ça, effectivement, il y a eu un tas d'actions, un tas de mécanismes d'instruments qui ont été développés, entre autres, effectivement, le fonds de la compétitivité industrielle, qui était un compte d'affectation spéciale. Donc, malheureusement, nos auditeurs, donc, ce fonds a été...